Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle mise à jour de Dragon Blaze KR pour l'arrivée de Léa et de Kronos sublimé. Allons-y tout de suite. Alors, on va commencer par les filles, c'est bien par Léa. La voici. Oups, c'est pour là, c'est pour la faire. Alors, c'est une mage. Donc, on y va pour son premier skill qui est inflige 420% de dégâts à un ennemi et augmente ses dégâts à distance de 6% pendant 6,3 secondes. Le second skill, c'est inflige 380% de dégâts à un ennemi, il augmente les dégâts magiques reçus de 9% pour Léa chaque fois qu'elle utilise cette compétence pour une attaque pour attaquer les ennemis. Seuls ses dégâts augmentent de 190%. Le skill 3. Alors, augmente les dégâts magiques de l'ensemble des alliés de 10% pendant 9,7 secondes. Le premier passif. Alors, augmente les dégâts magiques reçus de l'ensemble des ennemis de 6%. Voilà. Le second passif, augmente l'intel de 30%. Juste pour Léa. Maintenant, allons voir ce qu'elle vaut. On peut regarder ce qu'elle fait. Si je bug pas encore. Voilà. On y va, l'attaque normale. Attaque. C'est pas trop mal. Je fais son jeu. Voilà. Ça, c'était Léa Titan. On va passer à Léa Sublimée. Et ici. Alors, pour faire Léa Sublimée. Il nous faut Léa ultime, la clé Prometheus ultime, 50 essences sublimées et 50 millions de pièces d'or. Maintenant, voyons un peu ce qu'elle fait. Le premier skill. Inflige 1557% de dégâts à un ennemi et augmente ses dégâts à distance de 36% pendant 8,4 secondes. Le second. Oh, il est encore plus petit là. Il est encore plus petit pour que je lise. Alors. Inflige 1121% de dégâts chaque seconde à un ennemi pendant 9 secondes et augmente ses dégâts magiques de 29% pendant 6,5 secondes. Inflige 632% de dégâts aux ennemis proches. C'était l'attaque. Donc, chaque fois que Léa utilise cette compétence sur un ennemi, ses dégâts augmentent de 500%. Le troisième. Alors, augmente les dégâts magiques de 29% pendant 9 secondes. C'est tout ? Le premier passif, augmente les dégâts magiques de 19%. Tout simple. Le second passif, augmente l'indice de buff de 2,4. Je raconte moi comme connerie. Augmente l'indice de buff de 204%. Et augmente les dégâts de cible unique de 22% pour Léa uniquement. Oui. À max. Augmente de 24% les dégâts de la cible unique lancée par les alliés. Ouais. Ultime, lors de l'utilisation du skill 2, une augmentation des dégâts magiques de 17% pour Léa. Et c'est cumulable 5 fois. Allons-y. Alors, le base. Beaucoup à ce que je fais d'habitude. C'est les mêmes en fait.
Voilà. Allons-y, passons à Chronos. Bon. Pour avoir Chronos, il faut Chronos Ultime, la clé Chronos, 50 essences sumées, 50 millions d'or, et vous avez Chronos. Voilà. Je ne peux pas le faire, mais je vais me le faire. Voilà, je vais me le faire. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, les gens dans un groupe. Voilà pourquoi il ne veut pas. C'est parti. Parce qu'il a la clé sur lui. On met la clé, on y retourne. Et cette fois-ci, c'est bon, j'ai Chronos. Donc voilà. Et voici. Bon. Je le mettrai après, je l'équiperai correctement. Et on va voir. Donc, mon premier skill. Alors, inflige 815% de dégâts à un ennemi et élimine tous ses buffs. Les ennemis sont étourdis pendant 8,2 secondes. Les cibles qui meurent pendant l'étourdissement seront pas en mesure de relancer ou d'activer leur passif. Le skill 2. Alors, augmente les dégâts physiques de tous les alliés de 41% pendant 14 secondes. Les buffs la vitesse d'attaque de 28%. En outre, inflige silence à un ennemi pendant 14 secondes. Putain, qu'est-ce que j'ai moi? Le troisième. Oh, c'est le plus petit. J'aurais pas dû le faire sur mon téléphone. Allez, je suis en train de me griller les yeux rien pour vous. Alors, Chronos devient la barrière d'or pendant 6,7 secondes pendant laquelle il reçoit toutes les attaques ennemies. Au cours de la compétence, les statistiques augmentent de 1000%, réduit les critiques reçues de 60% et reflète les attaques de 40%. Les attaques reçues sur l'ennemi. Elle peut être défaite lorsque Chronos reçoit un dégât égal à 2700% de son attaque. La compétence n'est activée que s'il y a au moins un ennemi présent. Son premier passif diminue la pénétration de la défense de 33% et les dégâts magiques de 27%. Son deuxième passif augmente de 80%, oui, le taux des statistiques de buff et diminue les buffs de 22%. Diminue le debuff de 22%. En outre, reflète 10% des dégâts reçus. C'est pas mal ça. A max, alors, augmente de 37% de buff de base de skill 2.
diminue les AOE de 34% et augmente les dégâts physiques de 37%. Ultime. Alors, si les dégâts sur Chronos surpassent 10% de son HP maximal, il ne reçoit que 10% de ses dégâts. En outre, augmente de 30% les dégâts de mêlée. Et en plus de ça, il buff les alliés d'attaque pendant la barrière en or. C'est pas mal. C'est pas mal. Voyons voir ça tout de suite, ce que ça donne. Attaque de base. Voilà. Et la barrière. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, il y a les vents, on a acheté 50, on a plus de 5. On va prendre ça tout de suite. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur le Discord de Dragon Blaze officiel. Et si vous cherchez d'autres informations et des tutos, je vous conseille d'aller voir lewika.fr. Comme toujours, tout ceci sera dans le descriptif en bas de la vidéo. Et je vous dis ciao.